Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué une petite mortaiseuse d'établi. Je découpe toutes mes pièces à l'acier à format dans du médium de 16 mm. Là, je vérifie l'éclairage au mètre. Alors là, j'usine une petite rainure de 3 mm de profondeur pour y insérer les coulisses de tiroir. J'utilise des vis de 3 par 12 pour fixer mes coulisses. Je me sers de double face pour positionner les tables supérieures. Ici, je vais découper les équerres à 45 qui vont me servir pour le support de la fleureuse. J'en profite pour débiter les pièces de bois qui vont me servir pour les poutées de la table. J'usine toutes les rainures débouchantes sur une même pièce qui sera redécoupée par la suite.
Le support de la fleureuse sera vissé et collé. Je fais un montage avec des presses rapides, histoire de faire un premier test. Voilà, le résultat est satisfaisant. On arrive à la fin de cette première partie, j'espère que vous avez apprécié. Merci.